12 juin 1995, 12 juin 2015, police nationale la pral célébrer 20e anniversaire vendredi Cap Vinian. Pour marquer événement ça, PNH a organisé plusieurs activités dans l'académie police là, tant qu'il y a mes actions de grâce, parade et cérémonie pour honorer policiers qui soutiennent dans diverses régions pays à cap travail dans l'institution depuis création. Porte-parole adjoint la police là, inspecteur principal Gary Desrosiers qui a rencontré la presse jeudi mercredi, souligné un pile travail fait pendant 20 années qui sont passées. Même s'il reconnaît qu'il y a un pile bagaille qui était pour faire encore, dans l'objectif pour PNH continuer à protéger et servir la population. Inspecteur principal Gary Desrosiers, dans le micro Rinal Guerrier et Delson Garcin. Bon, et son gros activité, parce que ça a marqué 20 ans, nous. Et nous avons dit tout d'abord merci à la population, à la presse, et qui aide nous. Et suite à la critique qu'ils ont fait et que nous prenons en considération. Et côté que nous pas faire et travailler nous et l'LD commence à 95 à date où on a réalisé que et PNH a vu une plus professionnelle. Alors pour 12 juin et dans l'académie hein, à Gomes et qu'a célébré qu'a chanté et puis après a parade après restauration et puis gagner policiers tout qui va le décorer parce que c'est des policiers de 95 à date qui marqué présence par discipline et aptitude et toute détermination et volonté que yo gagnent pour PNH là c'est deux monde selon responsable quel que soit l'heure yo besoin yo disponible même l'heure pas jour travail ça c'est des monde qui a fait qui a exercé métier avec vraiment amour et recommandement a distingué plusieurs là-dedans yo et dans chaque département yo a gagné deux ou bien trois policiers et que y a bonne distinction pour ça qui a décoré et gagné un certificat. 20 ans après, qui bilan t'a dressé le travail la police dans l'état population? Bon, on a dit pendant 20 ans, il y a un pile travail qui fait. Et vous connaissez que la police là, d'abord fait plusieurs élections. Et sur le plan sécurité, l'assurer sécurité dans ce sens-là autour. Et nous connaissons pendant 20 ans tout, de gros moments, et des moments très difficiles, côté que y a pile policier qui perd du la vie. Et là, on prend opération Bagdad. La police fait face à la situation, bien sûr, avec la population, hein, également tout, avec le phénomène kidnapping, non, tout, que nous ne connaissons pas, qui n'est pas dans nous, et puis nous obligés d'adapter nous pour que nous soyons capables de combattre. Et il y a un pile effort qui fait, et est-ce que nous sommes satisfaits? Et nous sommes capables de dire non, et parce que nous avons souhaité, pas qu'il y ait personne qui est victime, nous avons même souhaité tout, et pour tout le monde, normalement, capable de vaquer librement en activité.